Nous sommes le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est la date anniversaire du traité de l'Élysée. C'est un moment historique extrêmement fort puisqu'il a été signé en 1963 par le chancelier Adenauer et par le général de Gaulle. On était 18 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on venait de vivre un siècle entier de conflits meurtriers entre la France et l'Allemagne. C'est donc l'aboutissement de la réconciliation, un geste fort qui dit que l'avenir du continent se fera grâce à un partenariat particulier entre la France et l'Allemagne. Il avait dès le départ un objectif qui était de s'adresser à la jeunesse et d'organiser les échanges entre jeunes Français et jeunes Allemands. Il est donc à l'origine de la création de l'Office franco-allemand de la jeunesse qui veille à faciliter ces échanges, ces jumelages, ces partenariats. L'ambition du traité de l'Élysée est donc double, celle de faire travailler ensemble les Français et les Allemands de manière plus étroite et celle de contribuer avec des propositions, avec une dynamique propre au renforcement de la coopération européenne. En 2018, au moment où nous souhaitons refonder l'Union européenne, il est naturel que, entre Français et Allemands, on travaille à une rénovation du traité de l'Élysée. C'est ce que nous faisons quand nous essayons de rapprocher le droit des affaires entre nos deux pays, quand nous travaillons aussi à harmoniser la base de l'impôt sur les sociétés entre la France et l'Allemagne, parce que si nous y arrivons à ce niveau franco-allemand, ce sera une incitation forte à le faire partout en Europe.